Bonjour mes amis, je vous parle aujourd'hui de la situation politique française et de l'accord secret entre Macron et Mélenchon pour éviter toute nomination d'un gouvernement nouveau Front populaire. Et je vais peut-être même en profiter pour parler un tout petit peu de théorie économique et de théorie surtout de psychologie sociale, notamment ce fameux équilibre de Nash qui, de mon point de vue, explique l'essentiel de la stratégie et de Macron et de Mélenchon. Alors d'abord, je parle de cet accord secret. Ça fait plusieurs mois, on l'a dit au moment des européennes, je crois, en tout cas on l'a dit avant les législatives, il existe un accord secret, au moins implicite, mais probablement de mon point de vue explicite. Nous avons même expliqué dans le courrier des stratèges quels étaient les canaux possibles pour que Macron et Mélenchon se parlent directement à l'abri des regards. Mais en tout cas, nous disons, nous soutenons, nous persistons dans la théorie selon laquelle il y a un accord au moins tacite, mais un accord secret entre Mélenchon et Macron pour éviter le partage du pouvoir avant 2027. Alors pour des intérêts communs, ces intérêts communs entre Macron et Mélenchon, quels sont-ils? Eh bien Mélenchon, son objectif, c'est d'être président de la République. Il est un peu âgé maintenant, Mélenchon, il n'a pas envie de se faire chier, soyons vulgaires, à être Premier ministre, parce que je sais que beaucoup de Français qui n'ont pas envie de réellement prendre leurs responsabilités expliquent partout qu'être élu, c'est super facile, ces gens-là sont des privilégiés, et j'ai même entendu des gens me dire « on fera tous bien mieux qu'eux tellement ils sont nuls ». Il n'en reste pas moins, et Mélenchon, qui est un homme qui connaît parfaitement les arcanes du pouvoir, le sait. Premier ministre, c'est un métier de chien, c'est des journées minimum de 16 heures au bureau, généralement plus, en plus vu la folie contemporaine, c'est encore plus, et c'est un stress permanent, et c'est surtout être entre le marteau et l'enclume. Le Premier ministre en France n'a pas beaucoup de marge d'initiative, et c'est au fond le CRS devant les manifestants, hein, devant les antifas, ils sont harnachés sous le soleil, et ils doivent attendre, et se prendre des pluies de boulons en attendant l'ordre d'attaquer. Et c'est le boulot de Premier ministre, c'est un peu ça à longueur de journée, à longueur d'année, avec une difficulté accrue, c'est que vous ne pouvez pas ignorer que la situation de nos finances publiques est dramatique, beaucoup plus probablement que vous n'imaginez, et vous ne pouvez pas ignorer donc que le travail du Premier ministre qui s'annonce va être un travail ingrat, puisque la Commission européenne exige 25 milliards d'économies en 2025, et pour l'instant le gouvernement a trouvé 10 milliards d'économies, et encore ça dépend des méthodes de calcul, tout ça est très flou. Donc le travail qui va avoir lieu va être ingrat, parce que soit il va falloir beaucoup diminuer les dépenses, soit il va falloir augmenter les impôts, et c'est toujours des moments difficiles. Donc Mélenchon ne se voit absolument pas passer des semaines infernales au boulot pour s'occuper de problèmes budgétaires et de discussions avec la Commission européenne. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la présidence de la République, et de toute façon, il a été, c'est vrai, plusieurs fois dans le quartier de tête, et donc il se considère comme présidentiable, légitime, notamment face à Marine Le Pen. Il a la conviction qu'en 2027, il y aura un duel Le Pen-Mélenchon, qu'il va gagner parce qu'il considère qu'il est meilleur que Marine Le Pen, et qu'il bénéficie de ce fameux front républicain qui, comme qui dirait, a été inventé pour permettre à Mélenchon de devenir président de la République. Et on a vu que malgré la subordination, la vassalisation du RN par les intérêts israéliens, le RN n'est pas parvenu à sortir de l'image d'un parti fasciste, héritier des nazis, etc. Alors que le LFI, qui a des positions ouvertement pro-palestiniennes, et même au-delà très souvent, et les filles, pour sa part, fait partie du Front républicain. Donc on voit bien qu'il y a là des règles du jeu qui sont complexes, cachées, et Mélenchon, à bon droit, se dit qu'il n'a aucun intérêt à être Premier ministre
avant 2027 à faire un boulot inintéressant et en plus casse-gueule, alors que ne pas être au pouvoir et jouer les grandes gueules qui dénoncent tout ce qui se passe et qui sont dans l'opposition et qui disent « nous, on fera mieux », c'est beaucoup plus prometteur pour gagner les élections en 2027. Ça, c'est l'équation Mélenchon. L'équation Macron, elle est la même d'une certaine façon, c'est que si supposons que Lucie Castet arrive au pouvoir, elle se proclame d'ores et déjà première ministre de cohabitation et donc hostile au président de la République. Donc ça signifierait que le président Macron serait marginalisé dans l'exercice du pouvoir et je pense qu'il n'y est pas prêt psychiquement. Et deuxièmement, ça signifie qu'il devrait endosser une politique, notamment une politique économique qui est d'ores et déjà annoncée comme fondée sur des augmentations massives d'impôts. Hein. Lucie Castet a redonné une interview à Libération, enfin a donné une interview à Libération hier pour dire que il y aurait des milliards d'augmentations d'impôts dès 2024 et qu'il y aurait des dizaines de milliards d'augmentations d'impôts en 2025. Donc des dizaines de milliards, c'est des dizaines de milliards. Vous savez qu'on parlait de 50 milliards d'augmentation d'impôts en 2025. Et donc, on sait d'ores et déjà quelles seront ces augmentations d'impôts. Elles toucheront de plein fouet les revenus des entrepreneurs, puisque les entrepreneurs, on le sait, c'est des ordures. Non seulement ils risquent tout chaque jour parce qu'ils ne vivent que de leur chiffre d'affaires, mais en plus, ils créent de l'emploi, les horribles. Et en plus, ils sont tellement exploiteurs qu'ils demandent aux gens qu'ils payent de travailler en échange. Change, hein, c'est vraiment le fascisme. Bon, et donc pour une Lucie Castet qui ne connaît que l'administration et des administrations pas surchargées, elle a travaillé à Tracfin mais dans des bureaux contemplatifs et elle est directrice des finances de la ville de Paris qu'elle a mis dans un état calamiteux. Pour ces gens-là, pour qui l'échec est un principe de vie, pour qui couler une structure est un principe de vie, l'entrepreneur qui lui ne vit que de la réussite, c'est l'ennemi principal. Voilà. Et donc pour Macron, c'est évidemment compliqué d'endosser cette politique et l'intérêt de Macron est au fond de finir au moins l'année 2025, la jonction jusqu'à la prochaine dissolution de l'Assemblée nationale, et de le finir avec le moins d'emmerdement possible. Si vous me permettez là encore d'être vulgaire, j'ai fait une vidéo cet été pour expliquer notamment les calculs techniques qui font que Macron a intérêt à repousser l'arrivée d'un nouveau gouvernement en 2025, début 2025, pour avoir un budget qui évite la taxation massive des capitaux de ses amis qui l'ont mis au pouvoir. Et donc, l'intérêt de Macron, comme l'intérêt de Mélenchon, c'est au fond de se dire, voilà, évitons l'arrivée d'un gouvernement Front Populaire qui sera source d'ennui pour tout le monde. Pour Mélenchon, ce sera une façon de dire qu'il a collaboré à un pouvoir qui va devenir très vite impopulaire. Pour Macron, c'est une façon de dire « je ne veux pas être embêté, je veux préserver mes marges de manœuvre jusqu'à la fin de mon mandat ». Et donc de ce point de vue-là, l'un et l'autre ont intérêt à ne pas permettre l'arrivée du nouveau Front Populaire. Alors, quelle est la stratégie de Macron vis-à-vis sur ce sujet? C'est évidemment de compter sur la cupidité des socialistes qui se disent « j'ai le choix entre être ministre, enfin, j'ai le choix entre la proie et l'ombre, soit on laisse passer notre chance et on compte faire partie d'un gouvernement Mélenchon en 2027 s'il gagne, mais c'est beaucoup d'inconnus, soit on va au pouvoir maintenant et advienne que pourra, en attendant on aura pris ce qu'il fallait ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur des socialistes, c'est de laisser Mélenchon à l'extérieur d'un gouvernement de coalition. Pourquoi? Parce que ça permettra à Mélenchon d'être le principal opposant à Macron, ça permettra à Mélenchon de taper sur la coalition, et ça permettra au fond en 2027 de discréditer les socialistes en disant « mais vous voyez bien que ces gens-là sont prêts à suivre n'importe quelle gamelle, hier ils étaient macronistes, aujourd'hui ils sont mélenchonistes, en réalité ce qu'ils veulent c'est uniquement des avantages, et moi Mélenchon,
j'ai refusé les compromissions et je défends une vision de la gauche. Voilà. Le jeu se joue comme ça, Macron l'a très bien compris, et il joue la montre pour décider un certain nombre de socialistes à rompre la solidarité avec LFI et à rentrer dans un gouvernement de coalition qu'il pilotera. On va voir combien de temps ça dure, c'est une partie de poker. À bientôt.